Allô, c'est Melokali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vous parle des séries. Je vais vous parler de 4 séries qui, pour moi, méritent d'être vues. C'est parti! La première série que je veux vous parler, c'est une de mes séries préférées, je pense. Je pense que oui. C'est la série My Mad Fat Diary. Je pense qu'en français, c'est Journal d'une ado ordinaire ou non ordinaire. Bref, je sais plus trop, mais c'est une série anglaise créée par Ray Earl. Elle a été diffusée en France à partir de 2015. Et c'est une série comédie dramatique, on va dire. Dans cette série, il y a 3 saisons, 16 épisodes. Les épisodes durent environ 45 minutes. Donc, vous avez quand même de quoi regarder. Cette série, en fait, parle du personnage de Ray, qui, en fait, a 16 ans et pèse 105 kilos environ. Elle vient de quitter un hôpital psychiatrique où elle avait passé 4 mois là-bas. Elle avait fait une tentative de suicide et donc elle avait été internée pendant 4 mois. Et sa mère avait créé un bobard comme quoi elle était en France, c'était l'été, puis qu'elle avait passé ses 4 mois là-bas. Et du coup, elle revient donc dans sa ville natale qui est genre perdue en campagne anglaise là. Et quand elle revient là-bas, elle recroise sa meilleure amie Chloé, qui c'était plus trop proche, mais c'était quand même sa meilleure amie. Ils se retrouvent et là, elle va être invitée à être dans la bande d'amis de Chloé, qui sont un petit peu plus âgés. Et elle se retrouve dans cette bande-là et elle décide de ne rien dire à personne sur ses 4 mois passés dans un hôpital psychiatrique, les amis qu'elle s'est fait, puis tout. Et c'est là que part la série, en fait. Tout part du mensonge de ne pas vouloir dire à Chloé qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 mois. Et j'ai vraiment aimé cette série parce qu'il va avoir des histoires d'amour, ça va être drôle. C'est une adolescente, donc plein de choses arrivent à l'adolescente. Elle est grosse, donc il va avoir beaucoup de vocabulaire, de situations où tu peux te mettre à sa place. Et c'est plein de choses que tu peux comprendre pour l'ayant vécu. Il y a des choses que j'ai mis en place, au fait, que j'ai vues dans cette série qui m'ont dit « Oh, mais genre, c'est tellement un bon conseil que genre, je vais le faire. » Et c'est un moyen, je trouve, d'accepter son corps et de faire comme, je sais pas, de comprendre. Et tu comprends ce que virait, il y a tellement d'émotions, c'est tellement fort, ça paraît réel. C'est vraiment très très bon, tu pleures dans beaucoup d'épisodes, dans beaucoup de moments. Mais j'ai adoré cette série. Je l'ai vue en 2015, il me semble, quand elle est sortie, et j'adore. Allez-y à 100%, c'est peut-être pas si facile que ça de retrouver cette série, mais si vous la retrouvez, allez sur Hulu. Allez-y, checkez-la, et honnêtement, elle vaut largement le coup. J'ai adoré ça. Si vous aimez un peu les séries adolescentes, mais qui sortent de l'ordinaire, c'est pas la série adolescente américaine basique, là c'est autre chose, ça a d'autres messages, allez-y vraiment à 300%. La deuxième série que je veux vous parler, c'est la série Man Seeking Woman. Cette série, c'est une série américaine, il y a 30 épisodes sur 3 saisons qui durent en moyenne 22 minutes. C'est un sitcom très drôle, très relax à regarder. Et c'est créé par Simon Rich entre 2015 et 2017. Donc ça a encore quelques années. C'est vrai que les séries que je vous présente sont un petit peu vieilles, mais c'est pas grave. Allez-y, il y a vraiment des pépites qui sont sorties il y a longtemps, mais c'est pas pour ça que ça mérite pas d'être vu. Donc allez-y. Et en fait, qu'est-ce que raconte cette série? La série parle de Josh Greenberg, qui en fait tente de retrouver l'amour après avoir rompu avec sa copine d'université. Et il cherche l'amour, il va être épaulé par sa grande sœur qui va essayer de lui présenter plein de femmes et tout ça. Et son meilleur ami de l'autre côté qui lui va lui dire « Ah, fais pas une relation sérieuse maintenant, fais des aventures d'un soir. » Donc il va être épaulé par ces deux personnes qui sont contraires et qui vont l'influencer. Mais en quoi cette série est genre différente des autres, c'est que cette série est genre what the fuck. C'est la seule chose que j'ai, c'est what the fuck. Dans le premier épisode, je vais vous dire, il y a un troll, un vrai troll, genre what the fuck. Il y a Hitler, il y a genre des choses qui n'ont aucun rapport. Dans d'autres épisodes, genre ça m'allumait à se parler. Bref, c'est extrêmement drôle,
une série qui se prend pas au sérieux, mais qui match en fait, qui fait des jeux de mots et qui les prend genre en vrai sens. Et du coup, c'est extrêmement drôle. J'ai adoré cette série. Je vous la conseille à 300%. Donc, n'hésitez pas à aller regarder Man Seeking Woman. C'est vraiment bon. La troisième série que j'ai envie de vous parler, c'est la série Primeval, ou Nick Cutter et les Portes du Temps. Ça a été diffusé en France, donc peut-être que vous connaissez sous ce nom-là. C'est une série britannique encore. Il y en a deux. Deux séries américaines, deux séries britanniques. Désolée, il n'y a pas de série française. Bref, Primeval. Il y a 36 épisodes. 36 épisodes de 45 minutes. C'est créé par Adrien Hodes et Tim Hens. Et ça a été diffusé entre 2007 et 2011. Ça a été aussi diffusé en France sur la chaîne M6, puis ensuite sur Energy 12. Donc vous l'avez peut-être déjà vu passer à la télévision. Vous vous êtes dit, what the fuck, c'est quoi cette série? Eh bien moi, je vous dis qu'elle est vraiment bien, cette série, et je vous la conseille vraiment. De quoi ça parle? En gros, ça parle de... Ça se passe donc à Londres. Et à Londres, il va y avoir des sortes de failles qui vont s'ouvrir, en gros. Et des animaux du passé et du futur vont arriver dans Londres et vont foutre un bordel monstre. Et là, on va avoir Nick Cutter, qui est paléontologue, qui va en fait recruter une équipe de chercheurs pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça apparaît et qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme pour réparer ça. Puis, il cherche en même temps sa femme Hélène, qui a disparu 8 ans plus tôt, potentiellement dans une de ces genres failles. Pourquoi je vous conseille cette série? Si vous aimez un peu les séries avec genre qui parlent un peu des créatures préhistoriques ou des dinosaures, de ce genre d'animaux, et que vous aimez un peu les failles et toutes ces choses-là, le futur, le passé, vous allez adorer Nick Cutter. Moi, genre, je me rappelle des très bons moments, je regardais ça quand j'étais plus jeune, mais j'aimais tellement cette série, ça m'a marqué. Et genre, j'ai adoré. C'est très bon. Je vous conseille vraiment. C'est bien fait le truc. Il y a des failles, que vous puissiez aller dans le passé, le futur, qu'il y a des animaux, genre un énorme. Je me rappelle qu'il y avait un énorme, genre, crocodile qui était arrivé, genre, préhistorique. Puis c'était comme, ok, ils sont dans la merde. Mais c'était vraiment bon. Genre, je pense que ça ouvre dans une piscine, je crois, un truc comme ça. La faille. C'est vraiment cool. C'est très, très bon. Puis. Allez regarder. Allez regarder toutes les séries que je vous parle, les quatre là, faut aller les regarder. Et n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà vues peut-être. Mais on passe directement sur la dernière série que je veux vous parler aujourd'hui, la quatrième. Et c'est la série Legend of the Seeker, ou l'épée de vérité. Comme vous voulez. C'est une série donc américaine, comme je vous avais dit, deux séries anglaises, deux séries américaines. Il y a 44 épisodes et de 42 minutes. Il y a deux saisons et c'est tiré d'un livre qui s'appelle aussi, je pense, L'épée de vérité. Donc, si vous voulez avoir la suite, deux saisons, allez lire les livres. Vous aurez la suite de la série. Cette série a été diffusée entre 2008 et 2011. Et de quoi parle Legend of the Seeker? Ça parle de Richard Seeker, qui est un jeune garde forestier. Et sa vie va changer quand il va aider en fait une jeune femme qui était agressée par des soldats. Et en fait, il va apprendre par la suite par ses amis qu'il est un sorcier et qu'il va avoir une vie très belle et grandiose et qu'il y a une prophétie qui dit que le sorcier tuera le tyran d'Arkenral. Voilà en gros le synopsis et il va s'accompagner donc dans cette quête de tuer le puissant méchant tyran. Il va s'accompagner de l'inquisitrice qui l'a sauvé, donc, et d'un vieillard puissant. Donc, de ses deux petits compagnons, ils vont partir chercher des petits trucs et chaque épisode va raconter une histoire un peu différente, toujours pour emmener vers la fin. J'ai adoré cette série. Je me rappelle que c'était ma sœur à l'époque qui me l'avait conseillée et que j'ai regardé. Et c'était super bon. Toutes les séries qui vous parlent sont super bonnes. Celle-là, c'est un peu donc dans un monde, c'est pas dans notre ère, c'est un peu genre Moyen-Âge, un petit peu tout ça. Donc si vous aimez un peu ce genre-là avec des épées, des arcs, il y a des pouvoirs magiques,
Il y a tout ça, des prophétesses, bref, toutes ces choses-là. Si vous aimez ça, allez regarder. C'est très bon. Ça se regarde quand même assez vite. En quelques semaines, ça se regarde et c'est très très bon. Donc j'ai fini les quatre séries que je voulais vous présenter, c'est fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces séries-là, si vous les avez déjà vues, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé. Dites-moi, vous, quelles séries vous me pensiez de regarder et qui sont pour vous les, genre, les choses qui méritent d'être vues mais qui sont pas assez connues. Et n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et je vous dis bye, tchuss les gars, à la prochaine.